Bonjour et bienvenue au 10e épisode de Pokémon version Uranium Nuzlock Challenge. Alors je n'ai pas pu résister à l'envie de refaire les revanchards que je vous ai montrés dans la première partie de l'épisode 9. Et j'ai eu une frayeur, c'était, si je me souviens bien, oui, Elkawen qui a survécu à un point karaté coup critique d'un Colossinge avec 2 points de vie seulement, 2 points de vie, hein. Presque OS. Donc elle est pas morte, je vous rassure, hein. J'ai pu finir le combat, mais je me dis, je prends des risques en ne résistant pas à la tentation de faire les revanchards. Sinon, l'équipe du jour pour le 10e épisode, bah, ça sera Wilgilótë. Bon, tout le monde a pris un niveau puisque j'ai refait une tournée, hein, du coup. Quáluinë, Tincarassë, Roinár, qui va bientôt évoluer d'ailleurs, ça devrait être le cas dans cet épisode, et Naira, niveau 27. Donc j'ai remplacé Nyandiíta par Tincarassë pour cet épisode. Voilà, un petit changement, en gré de mon humeur, hein. Donc, reprenons l'aventure, route 5, on sort de la grotte comète, et on va découvrir le premier Pokémon de la zone. Oh, un Wattouat. J'ai l'impression qu'il lévite un peu, faudra que je corrige ça rapidement dans l'animation. Oui, parce qu'à la base, il n'était pas animé, ce qui m'a surpris. Bon, faudra que je lui mette les pieds à terre. Voilà, ça fait un petit bug graphique. Du coup... J'aurais pas l'ouest normalement. J'ai pas un petit doute. Bon, Jiga-Sensure, va tenter. C'est juste. C'est juste. Vas-y, paralyse-moi, ça te fait plaisir. Toi, tu vas faire un gros dodo, s'il te plaît. Dodo. Parfait, là, il peut pas résister à sa Pokéball. Pokéball, go! Hop, hop, hop. Tink! J'ai capturé un Wattouat! Wattouat est ajouté au Pokédex. Mais le layout, faut que j'oublie. Voilà. Layout, j'ai demandé. Merci. Wattouat, Pokémon laine. Frotter sa laine duveteuse la charge en électricité statique. Plus il charge en énergie, plus son coup de l'embout de sa queue brille. Voulez-vous donner un surnom à Wattouat? Oui, obligatoire en Nuzlock. Alors j'ai prévu tous les surnoms pour ce que je pouvais rencontrer dans cette route, c'est-à-dire Censure, Embrouton, Wattouat ou une sorte de petite abeille. Du coup, ça sera, comme c'est Wattouat, ça sera Syl... Ah, clavier irlandais s'il vous plaît. Non. Clavier français s'il vous plaît. Syl Mama, ce qui veut dire mouton brillant. Découvrons notre nouveau compagnon. En plus, il a une magnifique méga évolution. Timide de nature. Ça, c'est plutôt avantageux parce qu'il est quand même lent. Hein. Statique. Un contact avec le Pokémon paralysé. Ouais, il y a d'excellentes IV, sauf en défense et en PV. Bon, en tout cas, bienvenue dans l'équipe, mon petit Wattouat. Hein. Oui, c'est un magnifique dragon électrique en méga évolution. C'est classe, hein, il y a de la majesté. Du coup, ben... Il va être de côté le temps de l'épisode, bien sûr, parce que je vais m'amuser à l'entraîner. Et pour Wilgilótë, bah, t'as gagné un petit soin. Parce que la pauvre fée, faut bien la soigner. Sac. Soin, soin. On va prendre un anti-para. Ah, j'en ai plus. Bah, ça sera un... Bon, j'ai tellement de total soin, on peut les claquer, hein, c'est bon. Allez. Alors, on va explorer cette route. Et comme j'aime bien les évolutions, on va l'idée avec Roinár. Ah! C'est une zone à baie, ok, bon, j'ai même pas vu. Bah du coup on va planter une baie, hein. Planter baie... Ou non, ouais, c'est bon. Pour une exclamation de ta tronche. Selon moi, c'est la plus jolie route de tout en or. C'est vrai, je découvre une nouvelle route. Bon, va falloir que je corrige ce problème de lévitation de Wattouat, parce que c'est pas très... Bon, c'est facile à corriger. Hein. Ampleur. Bah, vas-y, tape doucement, toi. En bouton. Oui, c'est bon, regardez. Coup de feu! Les gens ne prennent jamais leur sérieux pendant les cabas. Nous les campeurs, mais Tandor explorait et profitait des environnements naturels. Tu devrais prendre le temps d'apprécier la beauté de Tandor. C'est la première fois qu'un dresseur fait un blabla de défaite aussi long, hein. Évolution! Le starter évolue enfin! Il était temps parce que c'était celui qui avait les stats les plus faibles, hein. Je viens d'ailleurs de me rendre compte que j'ai fait une erreur de layout. Je vous montre, voilà, hein, j'ai oublié. J'ai déjà mis l'évolution, bon, c'est pas grave. Je rustinerai par-dessous. Je me sens détendu ici, même si je perds, mais ça ne m'énerve pas. D'ailleurs, en parlant d'erreurs graphiques, petite ellipse, je vais en profiter pour rapidement corriger le bug du Wattouat, c'est vite. Hein. Et voilà, nous voilà de retour. On va découvrir Ashi, enfin maintenant, oui, Ashi, c'est ça, il s'appelle. Sans S par rapport à la version anglaise. Donc les stats ont dû beaucoup remonter. Ouais, bon, c'est bon, on n'a plus une défense ridicule de 30 et quelques, là. Ça me faisait un peu peur, je vais pas me le cacher. Vous vous souvenez, quand je faisais les revanchards contre le Spongy Mousse, là, je sais plus que c'était le Pokémon Insectéo, là. Il aurait été... Heureusement que j'ai switché sur Quáluinë, sinon il aurait été KO. Alors, attends, je vais faire un truc. Sac. Alors, j'ai trouvé un PV+, je vais lui donner. Ouais, on s'en fout. Parce que les EV en PV sont vraiment rares. Hé, où vas-tu? Cocrabe. C'est une sorte de tortipousse. Route feu. Type sol et plante, comprendre. Il n'est pas haut. Non, contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas type haut. Cocrabe. Allez, on va ton crabe. Ton crabe végétal. Ah, il est beaucoup plus classe comme renard. Hein. Pokémon. Bon, on va changer de lead du coup. Allez, on va le mettre lui. Alors, une petite plage ici. Allez, on va voir ça. Grolozen. Attends, je vais défier ça. Je te défie. Les feuilles qui tombent, c'est cool, mais les plages de Vagune me manquent. T'as une grotte à traverser, c'est pas loin. Taminétique. Et c'est là que je me dis que j'aurais dû peut-être rester sur... Quoi, coup de boule. Au retour, ça devrait l'achever, hein. Bim. Ah bah non, ça achève pas. Ah oui, bah oui, le axe, bah oui. Censure, type psy, poison. Bien sûr, c'était mon contre. Petit psy poison. Allez, Roinár. On va l'envoyer Roinár du coup. C'était un des Pokémon que j'aurais pu avoir d'ailleurs. C'est le cri de Léviator ça. Allez, un petit magnitude. Est-ce que ça passe? Oui, je sais. Allez, fonce. Alors, les objets de soins. Alors, un total soin, parce que c'est pas drôle. Et encore, il me faut autre chose. Super potion. Voilà, parce que j'ai bien été axé sur le coup, histoire de bien énerver. Ouvrière, ça c'est ce que j'aurais pu avoir ça aussi. Alors lui, ça devrait être la prochaine évolution avec Passerelle. Hein. Carbone. D'ailleurs, attends, je vais voir un truc. Carte. GPS. Ça s'appelle comment cette route? Chemin d'état nocturne. Cascaroc, le laboratoire du professeur Cypress. Bon, je suppose que c'est un cul-de-sac puisqu'il y a l'océan à l'ouest. Hein, à l'est plutôt. Oh, un pêcheur. Pokémon. On va l'aider avec ça. Hé, dégage ma plage. Cocrabe. Voilà, attaque insecte, hein. Piqûre. C'est super efficace. Croason, on va... Là, on va switch. Croason. Vu que j'ai pas mon Pokémon électrique, c'est Nyandiíta. Bon, il est de plus bas niveau, retour, allez. Le feu contre le feu. Ouais, parce que tous les autres prennent le typo, donc je suis obligé d'envoyer un typo pour résister au typo. Cerf-volant. Alors, type psy... Bah oui, j'ai le T, hein. Oui, c'est le Pokémon vraiment moche, avec un gros cerveau à la place de sa tête. Et un cri de tentacule. Piqueur. Au revoir tentacule. Allez, un revancheur de plus. Faut que je perde l'habitude de PP+. Oh, une grotte. Alors, officiellement, c'est toujours la grotte comète, donc... Wow. Ok, bon, on va sortir de là. Hein. Bon, il faut surf. Ouais, il faut comprendre. Veuillez prendre surf pour poursuivre par ici. Allez, un objet. Oh, enfin, enchanté, ça peut être sympa, ça. Je te défie, et toi? Musique rock. Tu pourrais m'aider, je pense que j'ai pris un mauvais chemin à Vinoville. Très tête, quand même de se battre. Tu peux le gérer. Allez, dodo. Bisous de fée. Ok, ça fait. On va pas comprendre pourquoi piqûre ça fait plus de dégâts. Je ne switch pas. Piqûre. C'est super efficace. Le Graniena. Gerblitz. Ça c'est la sorte de Sonic là. C'est un petit peu risqué, Roinár. Bon, je reste sur le Wilgilótë. Jiga-Sensure. One shot. Et je suis folie. Niveau 28. Hein. D'abord, je me perds. Après, je pars un combat Pokémon. J'aurais peut-être devenu un super nerd et rester chez moi. Tu perds tout. Ce Maranton est le pire. Bon, on va switcher de Pokémon du coup. Allez, toi on t'a pas encore vu. Naira, à ton tour. Oh mon dieu. Je crois que j'aurais pu faire une attaque de type vol. Taminétique. Rebondit feu. Ah, ça XP beaucoup plus ici. Hein. Ouais, toi, je t'ai déjà battu, toi. Ouais. Donc, on a visité ce cul-de-sac, c'est bon. Maintenant, on va aller de l'autre côté du cul-de-sac. Cascaroc. Oh, on est déjà arrivé. Bon, on va visiter la ville dans cet épisode. Du coup, ça sera un épisode dédié à Cascaroc. Tu savais que Tandor a été formé par deux volcans. Aujourd'hui, ils sont inactifs. Le champignonneur régional, lui, sur l'un d'eux. Je vis à Cascaroc depuis toute petite, ma vie dans le montagne n'est pas facile, certes, mais je suis aussi vigoureuse et passionnée qu'un n'importe quelle jeune fille. Ouhouhou. Je sais pas ce que c'est comme musique par contre. Balam badaboum, quand je serai grand, je vais devenir super-héros. Cani. Notre cani garde la maison avec faveur chaque nuit. Les nuits de pleine nuit par contre, il n'arrête pas de l'aboyer. Oui, c'est un Pokémon loup-garou. Et il déteste les vampires, oh il pleut. Par contre, je vais demander officiellement à ce qu'on m'enlève cette pluie parce que Naira va pas aimer. Enlève-moi la pluie. Ah bah non, oui, maintenant il a décidé de pleuvoir. C'est incroyable comment l'économie de la... J'ai... Oh, putain. Attends, j'ai mal lu. Comment l'économie tourne alors que la moitié de la population de la région sont des dresseurs sans emploi ou sur nous si nous n'avons pas les Pokémon pour nous aider. Ah oui, c'est une Poké-théorie très intéressante. Le travail dans le Pokéworld. Vous vous dites théoriquement être dresseur Pokémon, je profite de faire ma minute Poké-science, hein. Techniquement ça peut pas rapporter d'argent parce que les dresseurs ils s'envoient, ils se donnent de l'argent entre eux en gré des victoires, des fêtes, mais ils reçoivent aucun argent de la société extérieure qui ne sont pas dresseurs, pendant que ce temps-là, eux, ils ont bien besoin de dormir, de manger, de consommer de l'électricité, et tout ça. Donc, il faut bien qu'ils gagnent leur pain, les dresseurs. Donc, la vérité, bah, c'est que les Pokémon dressés, les dresseurs, ils vont donner des services, rendre service pour avoir un petit peu, rapporter un peu d'argent de poche. C'est comme ça que, logiquement, ça va fonctionner. Ouais, sinon, il y aurait personne ne pourrait faire dresseur, hein. Ça serait juste un loisir, en quelque sorte. Assure-toi de prendre bien soin de tes Pokémon, on peut soigner les blessures, mais nos machines ne peuvent pas tout faire. Ah bah attends, on va soigner les Pokémon du coup. Je vais en profiter pour entrer Wattouat dans l'équipe. Je sais plus à quel niveau il évolue d'ailleurs. Ah, attends. Attends, échanger. S'il évolue au niveau 18, si, il évolue. Eh ben on va le faire évoluer, tiens. Mince, j'ai pas prévu le layout pour l'énergie. Eh ben non, je le fais pas évoluer. Ça sera en prochain épisode. Déposer. Ranger. D'ailleurs, attends. Retirer Pokémon. J'en profite pour vous montrer... Non, non. Déplacer Pokémon, ça m'énerve. Ouais. Non. Ah, déposer. On va retirer qui, du coup? Bon, je vous montre, ils sont toujours vivants, hein, voilà, Elkawen. La survivante d'ailleurs, Elkawen peut me... Et Nyandiíta. Je prends Nyandiíta du coup, hein. Retirer. Bon, petit changement de layout du coup, sur le coup, attendez. Ouf. Merci, il est où Nyandiíta là? Taminétique, tu vois. Il apparaît pas le Taminétique lui? Ah, mais c'est pas au bon endroit. Voilà, là t'es au bon endroit. On reprend le jeu. Cette tente de la structure actionnement de la Vagune et la prochaine arène. Donc apparemment, je sais plus comment ça s'appelle cette ville. Cascaroc, c'est un peu une ville étape, il n'y a pas d'arène. Hein. Surveillez les roches qui tombent, bien sûr. Par contre, il y a une quête secondaire à faire, enfin, ou une quête principale. Non, pas de réduction. Bonjour. Allez, on annule. Ouais, total ça, c'est tellement précieux que... Le professeur Cyprès vit ici à Cascaroc. J'entends dire qu'elle a toutes sortes de projets pour améliorer la communication humaine Pokémon. C'est impressionnant. Laboratoire Pokémon de Cyprès. D'ailleurs, je me pose une question du coup. Oula, c'est quoi ça? Anarion, hé, quelle surprise, c'est super de te revoir, mon pote, mais malheureusement, je rentre de la plage avec ma tenue de plage. Alors... Ah non, non, mais... Je suis coincé dans le script. Et Ernest, tu es de retour, tu as trouvé le voleur et ce gamin. Écoute gamin, t'as choisi le mauvais labo à cambrioler. Attends Lily, arrête, ce n'est pas le voleur. C'est Anarion, mon assistant, il traversait la ville, c'est un dresseur Pokémon. Un dresseur Pokémon, peut-on lui faire confiance? Bien sûr que lui, c'est mon assistant après tout. Non, par ailleurs, son père est Killing, le chef des Rangers. Ah, donc c'est le gosse de Killing, hein. Bon, bah je présume que je peux te faire confiance. Je suis Lily Cypress, le professeur Pokémon de ce labo. C'est la première fois dans un jeu Pokémon que je vois deux labos Pokémon. D'habitude, un seul par région et un seul. Hein. T'as sûrement compris ce qui passait après tout ça. La nuit derrière, alors qu'on était parti, quelqu'un s'était introduit dans le labo. Ils ont volé beaucoup de Pokémon que l'on gardait pour les recherches. Mais étrangement, ils les ont complètement ignorés. Les objets de valeur dans le labo. Tiens, sur cette table, le prototype du traducteur Pokémon. C'est ce que l'on développe de plus pointu. Beaucoup déplaceraient des montagnes pour mettre la main dessus. C'est ce qui nous a laissé pantois. Pourquoi quelqu'un s'introduit ici, c'est pas pour voler le traducteur Pokémon. Ouh, Chouetton. Tu es de retour, qu'as-tu trouvé? J'ai fini par trouver un des deux Pokémon volés, celui-là traîné sur la route 6. C'est excellent, j'ai une idée. Utilisons le traducteur Pokémon sur Chouetton pour en savoir plus à propos du voleur. Traducteur Pokémon, sachant que c'était quelque chose naturel il y a 2500 ans. Référence à Pokémon Sacred Phoenix. Voilà. Naturel pour ceux qui sont prêtresses et prêtres avec la magie qui du coup réussissent à parler par télépathie avec leurs Pokémon. Hein. Maintenant, il faut, c'est un objet technologique qui remplace tout ça. Effrayant, tellement effrayant. J'étais dans ma Pokéball endormie, tout à coup je bouge, mais pas à un ami humain. Ils me prendraient, moi et les autres, dehors, vers la grotte de la montagne. Ils ont perdu ma Pokéball et je me suis libéré. Bah oui, voire robotique, c'est un robot qui traduit. Vers la grotte de la montagne, c'est sur la route 6. Peut-être que le vol y a toujours, avec le reste des Pokémon volés. C'est une honte puisque quelqu'un récompense ce Pokémon pour son bon travail. Miam miam miam, Chouetton mange une bulle. Maintenant la question est comment attraper ce voleur. Il a les Pokémon volés sur lui, donc il est potentiellement dangereux. Anarion peut aider, c'est un dresseur Pokémon. Il est déjà 2 badges. Oui, je suis badgé 2 fois. C'est vrai, dans ce cas, Anarion, tu es peut-être exactement celui dont on a besoin. Selon Chouetton, le voleur est toujours sur la route 6 à l'ouest. Si tu pouvais tirer ça au clair, nous te serions redevables. Pour te faciliter la recherche, oh je sais, pourquoi n'emprunterais-tu pas le prototype du traducteur Pokémon? De cette manière, tu pourras parler à n'importe quel Pokémon pour t'aider à localiser le voleur. Obtenu piste. Bonjour. Fais vite s'il te plaît, nous comptons surtout sur toi. Chouetton. Je suis à la maison, mais pas d'amis. Où sont mes amis? J'ai peur. Chut, chez toi, il fait jour. Chouetton est toujours nerveux après tout. Oui, Chouetton s'adore la nuit, c'est une chouette. Bon, on va visiter le labo et après, pour l'épisode suivant, on va faire cette quête qui nous est tombée du ciel. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Bombo? C'est comme si c'était le destin. Bon, il dit la même chose. Ok, je vais aller chez le dialogue changé. Selon Chouetton, le voleur se cache à un haut de montée. Oui, ok. Putain, il y a du monde là. Pas de... Non, pas d'interaction. Je vérifie s'il y a des interactions. Pas d'interaction avec la carte. Pas d'interaction non plus. Bon. Je suis un expert en résurrection de fossiles. Ah, tiens. Toutefois, je n'ai pas le temps. Nous sommes en état d'urgence. Bon, de toute façon, j'ai pas de fossiles encore. Cascaroc, c'est là où on ressuscite les fossiles. Faut le noter. Attends, on va voir notre objet rare. Objet rare, s'il vous plaît. Rare. PST. Traducteur Pokémon pour vous aider à comprendre certains Pokémon. C'est encore un prototype. Allez, on finit de visiter les 2 dernières maisons de la ville. Jeux vidéo. PS3, bien sûr. Ah, c'est dangereux la grotte comète, surtout quand il y a des terlards en colère qui foutent la zizanie. Alors, je recherche un Pokémon en particulier, ça c'est une quête secondaire. Je ne me rappelle plus son nom par contre, si tu peux m'aider je te récompenserai. C'est une sorte de gros serpent jaune, c'était quoi? Ah, ça doit être un sur l'eau ça. Attends, on va voir ça, on va faire ça. Serpent jaune, je vois que ça. Hein. C'est pas beau quand même. Ouh, Chouetton qui court. Les rangers de Tandor travaillent sans relâche pour protéger l'environnement. Bon, ok. Oui, je ne sais jamais d'où je viens. Les rangers, oui, c'est la police de Tandor. On les appelle rangers. Hey, t'es un dresseur chouette, écoute, tu fais un échange, je recherche un Togro Croc. Si t'en as, je te chercherai comme mon Phénardent. J'ai déjà un Phénardent. Bon, bah, du coup, là, il va y avoir encore un changement de layout. Et c'était Twitch. Oh non, ouais, flemme de faire le changement de layout. Juste pour une petite quête secondaire. Alors, retirer le Pokémon, c'est vrai. Bon, en espérant que c'est ça, son serpent jaune. Alors, c'était la 2e maison en haut. Et l'épisode s'arrêtera là. Non, c'était pas celle-ci. Il y avait un étage. Donc, c'est la dernière maison. Non plus. Si je me perds, on va pas faire long feu. Ah, est-ce que c'est ça? Oh ouais, so lourdeau, c'est ça, ouais, il est mignon, je suis super heureux, c'est le plus beau jour de ma vie. Comment puis-je te rendre de pièce? J'espère que ça ira. Pierre lune? Il évolue pas avec une pierre lune quand même. Attends, c'est un Magikarp, ça? Oui, Magikarp, c'est ça. Bon, bah j'ai pas de Magikarp, malheureusement. Putain, c'est marrant cette quête secondaire. Bon. Bon, ça va être un peu difficile à faire en Nuzlocke, vu que je suis très limité sur le nombre de captures. Attends, on va ranger un Surlodo, du coup. Par contre, je suis tenté de prendre Nyandiíta quand ce type... attendez. Ranger. Vu qu'il pleut... Attends, bah ce qu'on va faire, déposer Pokémon, on va ranger ça. Ouais, ranger. Pour le prochain épisode, on jouera avec... bon, lui, je le ferai évoluer. Une fois que j'aurai préparé le layout pour son évolution. Et je vais jouer avec ça. Voilà. Ce sera le prochain épisode. Donc, on va stationner... Ah, il pleut plus maintenant. Beaucoup de montagnes aux alentours sont réputées infranchissables. Et ben, je suis déterminé à toutes les escalader. Route 6. N'oubliez pas d'emmener quelques potions, le chemin est long. Ah bon? Poképod. Map. Ah oui, en effet, il est long le chemin. Donc, Fort Légende, Vinoville, Centrale Nucléaire Zeta, Vagune. Ok. Apparemment, Vagune, c'est la prochaine ville. Attends, va cuire les baies. Oula. Ouh, 4 baies orange, c'est fertile, là. Hein. Alors, Bémépo, il y avait un P, normalement. Donc, je cueille les baies et on va s'arrêter là. On découvrira le premier Pokémon de la zone. Ça regarde. Bon, je m'excuse un peu, cet épisode n'a pas été particulièrement épique, hein, c'était plus découverte, exploration que combat et autres. Mais voilà, au moins j'avance en aventure, donc merci d'avoir regardé, et à bientôt au prochain épisode, épisode 11, on sera à la route 6, avec cette fameuse quête Pokémon du voleur des Pokémon. A plus!